Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux magiques The Gathering et je vais vous parler de toutes les nouvelles cartes vertes de la dernière édition qui est sortie le 29 avril 2022, c'est les rues de la nouvelle Capena. Donc on va découvrir ensemble toutes les cartes vertes, toutes les cartes de cette nouvelle édition, on va les découvrir et découvrir leurs effets. Alors c'est parti avec en premier Mondaine accompagnée qui a un coût de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 1 de vie. Elle a alliance, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la mondaine accompagnée gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah, bon, c'est un effet qui est jusqu'à la fin du tour, hein, par contre. Ah, la fameuse mythique que vous avez pu découvrir dans mes ouvertures de bundle et d'extensions, stock des trafiquants d'alcool, qui a un coût de 6 mana dont inverse un artefact, les terrains que vous contrôlez ont engagé créer un jeton trésor. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça que cette mythique est particulière. Je comprends mieux pourquoi elle est à ses côtés. C'est vrai que ceux qui veulent créer des jetons de trésors, c'est quand même intéressant. Passage à tabac par le videur. Coût de 3 mana dont inverse. Un éphémère ce sort coûte 2 mana de moins à lancer s'il cible un permanent noir. Le passage à tabac par le videur inflige X blessure à une cible créature ou Planeswalker. X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Si cette créature ou ce Planeswalker devait mourir ce tour-ci, exilez-le à la place. Elle brisée. Coût de 3 mana dont un vert, détruisez un artefact ciblé, un enchantement ciblé ou une créature avec le vol ciblé. D'accord, c'est un peu comme les decks noirs, c'est un sort pour un deck vert, c'est pas courant. Adepte des Cabaretti, qui a un coût de 1 mana vert, elle a 1 attaque de 2 vies. Et ensuite, pour 3 mana dont un rouge ou un blanc, l'adepte des Cabaretti acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte qui peut se jouer en deck multi, avec un effet multi. Voilà. Fier à bras de Kaldaya, qui a un coût de 5 mana, dont un vert. Elle a 2 d'attaque, 3 de vie. Quand la fier à bras de Kaldaya arrive sur le champ de bataille, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Blitz pour un coût de 4 mana, dont un vert, si vous lancez ce sort. Pour ce coup de Blitz, il acquiert la célérité, et quand cette créature meurt, piochez une carte. Sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Express de Capena. Coût de 4 mana, dont un vert. Elle a 6 d'attaque, 6 de vie. Ouh, ça c'est pas mal. Artefact véhicule, sacrifier un trésor, l'express de Capena devient une créature artefact jusqu'à la fin du tour. Effectivement, si vous avez l'autre carte mythique et que vous sacrifiez des jetons trésor, vous pouvez jouer cette carte en plus. Donc, il faut voir les combinaisons. Une combinaison à faire. Jardinier civique, coût de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que le jardinier civique attaque, dégagez une cible, créature ou terrain. Équipe de nettoyage, qui a un coût de 6 mana, dont 2 verts, elle a 6 d'attaque, 6 de vie. Quand l'équipe de nettoyage arrive sur le champ de bataille, on choisit. Soit on détruit un artefact ciblé, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on exile une carte ciblée depuis un cimetière, soit on gagne 4 points de vie. C'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est une créature et en même temps vous jouez un sort. Donc ça peut être intéressant quand même. Mallette du messager, coût de 2 mana, dont 1 vert, c'est un artefact trésor. Quand la mallette du messager arrive sur le champ de bataille, crée un jeton de créature 1 blanche et verte. Verte et blanche, citoyen. Engagez, sacrifiez la mallette du messager. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, donc pour toutes les couleurs. Engagez, sacrifiez la mallette du messager. Piochez 3 cartes. Entourage élégant, coût de 4 mana, dont un vert. La 4 d'attaque, 4 de vie et alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, une créature ciblée autre que l'entourage élégant gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Porte en évolution. Qui a un coût de 3 mana dont inverse un artefact pour 1 mana engagé, sacrifier une créature, comptez les couleurs de la créature sacrifiée, puis cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature qui a exactement autant de couleurs plus une. Exilez cette carte, mais mélangez, vous pouvez lancer la carte exilée d'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Combat truqué, qui a un coût de 3 mana dont inverse un enchantement. Alors cachette pour 5, quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez en une face cachée, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Puis si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 7, vous pouvez jouer la carte exilée sans payer son coût de mana. Pour la famille, coût de 1 mana vert, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si vous contrôlez au moins 4 créatures, cette créature gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour à la place. Gros bras indépendant, qui a un coût de 5 mana dont un vert, la 4 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que le gros bras indépendant attaque ou bloque, il gagne +X/+X jusqu'à la fin du tour, X étant la force et ou l'endurance la plus élevée parmi les autres créatures que vous contrôlez. Ah, ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, faut voir, après oui, si on contrôle les créatures plus fortes aussi. Hein.
personnel d'accueil du gala à coup de 2 mana, dont un vert à la 1 d'attaque, 1 de vie alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, choisissez l'un qui n'a pas encore été choisi ce tour-ci. Soit on met un marqueur +1/+1 sur le personnel d'accueil du gala, c'est pas mal. Soit on crée un jeton de trésor engagé, soit on gagne 2 points de vie. Une carte qui me paraît intéressante. Hein. Négoce pacotille, coup de 4 mana, dont un vert à la 1 d'attaque, 4 de vie, et engagé, crée un jeton de trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Elle est quand même chère, hein. 4 mana, c'est cher. Sieur à tout faire de gratte-ciel, qui a un coup de 3 mana, dont un vert, la 2 d'attaque, 3 de vie à la portée, donc vous pouvez bloquer les créatures qu'on vole. A chaque fois que le sieur à tout faire de gratte-ciel bloque une créature avec le vol, le sieur à tout faire de gratte-ciel gagne +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah, ça c'est bon à savoir aussi. Vous pouvez surprendre un adversaire. Voleuse de bijoux, qui a un coup de 3 mana, dont un vert, la 3 d'attaque, 3 de vie, vigilance et piétinement. Quand la voleuse de bijoux arrive sur champ de bataille, il y a un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Luxueuse, Libation, qui a un coup de X mana, dont un vert, une créature ciblée gagne +6/+6 jusqu'à la fin du tour, crée un jeton de créature 1-1, verte et blanche. Citoyen, la plus recherchée, coup de 3 mana, dont un vert. Alors, c'est un enchantement. Alors, flash, enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+1. Quand la créature enchantée meurt, crée 2 jetons trésor. Je ne sais pas si je le jouerai quand même, cette carte, elle me paraît chère et pas assez forte. Combat concerté, coup de 2 mana, dont un vert, c'est un éphémère, une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Chacun inflige un nombre de blessures égal à sa force à l'autre. Créer un jeton trésor, c'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Marteleur Rox, qui a un coup de 6 mana, dont un vert, la 6 d'attaque, 3 de vie. Alors, le Marteleur Rox arrive sur champ de bataille avec un marqueur bouclier sur lui. Donc, c'est-à-dire que s'il devait subir des blessures ou être détruit, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. Ok, donc ça, c'est pas mal. Le Marteleur Rox a le piétinement tant qu'il a au moins un marqueur bouclier sur lui. En plus, il a le piétinement. Ça, c'est pas mal du tout. L'Horreur des Rifters, coup de 2 mana, dont un vert, la 3 d'attaque, 1 de vie. Alors, il doit être bloqué si possible. Blitz pour 4 mana, dont un vert. Si vous lancez ce sort pour son coup de Blitz, il acquiert la célérité. Quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Arriviste. Coup de 3 mana, dont un vert. Elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Alliance. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez 1 point de vie. Descendre dans la rue, qui a un coup de 5 mana, dont un vert. Alors c'est un rituel. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Les citoyens que vous contrôlez gagnent +1/+1 supplémentaire et acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Une mythique. Titan de l'industrie, qui a un coup de 7 mana, dont 3 verts, la 7 d'attaque, 7 de vie, portée et piétinement. Portée pour bloquer les créatures qu'on vole et piétinement. C'est-à-dire que si vous avez un adversaire qui a 5-5, vous le détruisez et vous continuez votre attaque et vous faites perdre 2 points de vie à l'adversaire suivant ou au personnage adverse. Quand le titan de l'industrie arrive sur le champ de bataille, on choisit. Alors, soit détruisez, on choisit deux trucs en plus. Détruisez une cible, artefact ou enchantement. Un joueur ciblé gagne 5 points de vie, crée un jeton de créature 4-4. Vert, rhinocéros et guerrier, mettez un marqueur bouclier sur une créature que vous contrôlez. Et on en choisit deux, donc c'est vraiment pas mal. Alors, on peut le mettre, détruire une créature ciblée, en plus mettre un marqueur bouclier sur une créature. Ça, c'est pas mal du tout. Après, bon, elle coûte quand même 7 terrains. 7 mana, donc 3 verts. Piétineur Taupière, coup de 3 mana, dont 2 verts, la 4 d'attaque, 4 de vie et vigilance. Quand le Piétineur Taupière arrive sur le champ de bataille, choisissez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez le Piétineur Taupière, ne peut ni attaquer ni bloquer à moins que vous ne contrôliez au moins 7 terrains. Connaisseuse de Venin, qui a un coup de 2 mana, dont 1 vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. Et Alliance, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, la connaisseuse de venin acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Si c'est la deuxième fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci, toutes les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Vivien en chasse, c'est une mythique qui a un coup de 6 mana, dont 2 verts, la 4 de vie, 4 boucliers. C'est un Planeswalker légendaire Vivien. Alors, plus de vous pouvez sacrifier une créature. Si vous faites ainsi, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana égale à 1, plus la valeur de mana de la créature sacrifiée, mettez-la sur le champ de bataille, puis mélangez. Pour +1, mêlez 5 cartes, puis mettez n'importe quel nombre de cartes de créatures mêlées de cette manière dans votre main. Et ensuite, pour -1, créez un jeton de créature 4-4 verte, rhinocéros et guerrier. Intéressant. Bon, après, elle coûte 6 mana, dont 2 verts.
Voix de la Vermine qui a un coup de 4 mana dont un vert à 2 d'attaque, 2 de vie. Alors, la voix de la Vermine arrive sur le champ de bataille avec un marqueur bouclier sur elle. Donc ça veut dire si elle devait subir des blessures ou être détruite, retirez-lui un marqueur bouclier à la place. A chaque fois que la voix de la Vermine attaque, une créature ciblée que vous contrôlez a une force et une endurance de base de 4-4 jusqu'à la fin du tour. Accueil chaleureux, qui a un coût de 3 mana, dont un vert, c'est un éphémère. Regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte de créature parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, créez un jeton de créature 1-1, verte et blanche, citoyen. Chef de guerre d'atelier, qui a un coût de 5 mana, dont 2 verts. Elle a 5 d'attaque, 3 de vie et elle a piétinement. Quand le chef de guerre d'atelier arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 3 points de vie. Quand le chef de guerre d'atelier meurt, créez un jeton de créature 4-4 verte, rhinocéros et guerrier. Et Blitz pour un coup de 6 mana, dont 2 verts. Si vous lancez ce sort pour ce coup de Blitz, il acquiert la célérité. Quand cette créature meurt, piochez une carte, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. Bon, un coup quand même de 5 mana, dont 2 verts. Elle a 5-3, mais c'est vrai que quand elle meurt, on crée un jeton 4-4. Ça peut être intéressant. Bon ben voilà les amis, c'était la présentation de toutes les cartes vertes de cette édition, les rues de la nouvelle Capena. Voilà, prochaine vidéo, ça sera sur les cartes multicolores. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.